Yo tout le monde, c'est Punisher, donc on se retrouve pour le 8ème épisode de Until Dawn sur PS4, mais avant, le précédemment dans Until Dawn. Wow, c'est bizarre. Hey ! Merde, quoi ! Ah ! Oh, et ? Sam ? Oh non ! Chris, le choix t'appartient. Allô ? Merci ! On a besoin d'aide, s'il vous plaît ! Oh, oh putain ! Donc on se retrouve pour le 8ème épisode, c'est parti, on y va. Cette perte. Sam. 4 heures jusqu'à l'eau. Donc là, Mike a retrouvé Sam. Quoi ? Viens par ici. Donc, alors... Allez. Ok. Ok, donc là, on l'allume et hop là. Ok. Oh putain, c'était serré. Oh putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Ça va, toi ? Comment tu es arrivé là ? Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain de psychopathe ici, dans la montagne. Ouais, j'ai remarqué. Évite dans ce camp. Réseau de tunnels, j'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. D'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre, déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Bon, alors, on va voir ça. Donc... C'est sûr que c'est la porte là. Ok, et on va soulever. 1, 2, 3. En effet, c'était bien la porte. Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. Après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets ? Non, oh, oui. Oui, pardon. Comment ça se fait qu'elle a un sac avec ses affaires ? Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'est... quelqu'un qui pleure. Chris. Non ! Non, non, non ! Dégage ! Oh, Chris. Oh, Chris. C'est quoi, ça ?
Tu as déjà entendu parler des Balablans ? Non, sérieusement. Oh, c'est Josh ! Le tueur, c'est Josh ! Enfin, le... Du moins, le psychopathe, c'était Josh. Wow. Oh, putain ! Oh, bordel ! Matt ! Matt ! Matt, il est mort. Oh, mon Dieu ! Merde ! Ça lui ouvre le genou et après, forcément, il ne reste plus beaucoup de temps pour s'échapper. Oh merde! Bon, bref, 600 dollars dans le vent! J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut! Voilà! Ça, c'est cool! Elle nous a vu une petite torche en mode Tomb Raider. Bizarrement, elle trouve de l'huile et tout le bordel. Hein. Ta gueule, le monstre. Il y a un chariot. Et tu vas descendre marche par marche. Oula, je parie que ça va pas être ouvert. Voilà, qu'il y aura des chaînes. J'en étais sûr de ça. On le voyait à 14 km. Bon, comme il y a des chaînes, je parie qu'on va devoir aller en haut pour lâcher le wagon. De véhicule élévator, la surface et élévator. Donc il y a quelque chose par là. Machine de pointage, indice trouvé. On peut aller par là. Oh, il y a quelque chose. Ok, donc c'est fermé. Là, il y a vraiment des bruits bizarres. Hein. Ça fait vraiment flipper. On peut pas prendre. Salut.
Alors. Ouais, on... Bon, alors. Putain, mais elle a de la force, hein. Encore pire que Mike. Elle va peut-être trouver. Oh, étrange. Vraiment étrange. Bon, c'est pas étrange, c'est juste un casque de mineur, c'est tout. C'est génial. D'accord. Et si là ça se recasse la gueule, je pète un câble. Heureusement que la batterie du téléphone ne s'use pas dans ce jeu. Parce que là, franchement, là on serait dans la merde. Et on rate de pile. Hein. Et là, on va tomber sur Matt. Matt. J'adore parce qu'il... C'est parce qu'en fait, on sait pas où on va, mais... On va obligatoirement retrouver la surface. J'en suis sûr et certain, c'est... Allez, putain de merde. Ah bah j'ai parlé trop vite en fait. Il n'y a plus de batterie. Bordel de merde. Bon. Qu'il y a le monsieur au lance-flamme hein, qui nous éclaire. Ah bah. Donc nous revoilà à l'élévateur. Ok, donc là on est retourné au début. Enfin, au début, oui et non. Comme on était à l'élévateur avant. Oh, quelque chose qui marche. Oh. Ça, c'est tip-top. Bon. On fait une toute petite pause, je reviens tout de suite. Ok, ok, donc... Elle boite un peu, Emilie. Hein. Un indice maintenant, mais là oui, il y en a un. On va aller voir ça. Screamer dans 3, 2, 1. Ouais, je vois pas ce qu'il y a, ce qui se passe. D'accord. Bref, moi je voulais aller à l'élévateur. Je crois qu'on va tomber sur Mike. Matt. Sur Mac, pas Mike. Ouais, et là, elle court quoi. Oui. Oui. Oh merde.
forcément. C'est pas trop compliqué de monter. Bon, alors il y a deux petits trucs scintillants. Oh, c'est la paire de lunettes de Dana. Marque sur le rocher. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, où est-ce qu'on va aller? Je sais pas. Là, il y a un indice, une photo ou un lien. Ah, là. Justement là. Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Dana. J'ai pas le temps de lire, je mettrai un arrêt sur image quand il y aura ça. Bon ben, on va retourner là où on était. Mais où est-ce qu'on doit aller? Où est-ce qu'on doit aller? Où est-ce qu'on doit aller? Je sais pas où est-ce qu'on va. Au moins, où est-ce qu'on doit aller? Peut-être par là. Alors là, y'a rien. Bon bah alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner où on était avant, près de l'élévateur. La porte, elle est de tout à l'heure, elle était fermée parce qu'il y avait un loquet. Bon, on va prendre l'élévateur. Hein. Je crois que c'est plus sécurisé. Thank you.
Ah oui, mais non, on veut... Ah non, on veut plus toucher dans cette chambre. On va Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va nous faire? Josh? Voilà. Josh! Josh. Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Ok. Et vous vous en êtes bien sortis. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là! C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer le marionnettiste de toute cette panique, pas vrai. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival au cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non, 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 non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir vos têtes. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Allez, sec, il tombe par terre le camp. Donc. Chris, chalet de Washington. Non, sérieusement, c'est débile, vous savez. La ferme! Chris! Mon pote! Je suis plus ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Ta gueule. Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Alors... Tu l'as mérité ou ferme-la? Franchement, ferme-la. Tu ferais mieux de la fermer. Chris, hey. S'il te plaît, mon pote, on est partenaire. Arrête de dire ça. Okay. Joue au con. Ah, c'était la cabane où Josh s'est fait découper. Ferme-la, putain. Tu es grand. Mike. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour. Oh, oh pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement... Tellement désolé! Arrête! Stop! Mike! Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. On ne peut pas te faire confiance ou ferme-la. Agressif ou en colère? Non, ferme-la. Mais ferme-la, ferme-la là, Josh. Tu pourras pas t'en sortir comme ça, putain. Ok, on peut passer à autre chose. Putain! Plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça ne devait pas du tout se passer! Comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir!
Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas... C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Stop! Sur la défensive, c'est toi le lâche, agressif, il faut vraiment que tu la fermes. Oh, c'est toi merde, le lâche. C'est le plus grand trouillard qui soit. Ah ouais? J'ai fait des choses. J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru. J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur. Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis et tout ça en restant dans l'ombre. T'es qu'un sale lâche, Josh. C'est tout ce que t'es. Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec. Ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si je gigote comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, j'irai, ok? Moi, j'irai, je peux... Je peux plus bouger. Dégueu en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise de... Il a déjà dit ce genre de conneries avant. Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot, idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard! Stop! Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait, mais ça! T'es vraiment pathétique, Christopher! Je vais lui arracher la tête! Non, l'écoute pas! Laisse tomber! Hé, hey, Mike! 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 Quoi? Si on parlait de... Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est... si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Désarmé ou frapper Josh? Allez, on va le frapper juste pour qu'il ferme. Stop! Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Ah, je l'ai séché. Mais t'allais tirer! J'essayais juste de l'embrouiller. Je voulais lui faire peur. Histoire de lui rendre l'appareil. Bah ouais, mais merde, j'aurais pu le tuer! Calme. Ça va. Tu vas bien. Ça m'a pas plu de faire ça. Ouais. Là, au moins, il se tait. C'est clair, mon frère. Bon. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Je vais le surveiller jusqu'à demain matin. Et j'ai pas besoin que tu le massacres comme un taré. C'est pas juste. Je pensais que je te protégeais. Ouais. Bah, mission accomplie. Va te reposer. Mais c'est quoi le problème? Bon, allez, retourne au chalet. Vite. Mais... vite! Oui, bah voilà les gens, donc c'est déjà la fin de ce 8ème épisode. En espérant qu'il vous aura plu, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, salut!